Mon premier est partisan du vivant. Voici l'emblème de mon second. Mon troisième a le sang rouge semblable à toute l'humanité. Mon quatrième dort dans cette prison à ciel ouvert au même titre que tous les êtres vivants sous la Voie lactée. Mon dernier est l'édification, la création d'une épistémée née de la perception sur bien des problèmes d'exception concernant la situation, exigeant l'addition. Bonjour à mes enfants et bonjour au monde. Je m'appelle Veidera. Me qualifiant néanmoins d'érudit amateur ne sachant rien, j'aspire à attester le fait d'être un magicien instinctif ne rend pas pour les comédiens lucifériens. Ces années de pratique dans la peau d'un créateur de vidéos m'ont changé, à tel point que pour la création-conception, j'ai évolué en béton armé. L'Empire n'est pas comme tu l'imagines. Il n'y a pas de frontières. C'est un organisme multicellulaire œuvrant de concert, tels des fronts séparés donnant l'illusion de la légitimité. Malgré ces informations minimales, tu n'appréhendes pas bien le festival. Incroyable. Une personne sur sept ne s'en sort pas avec un travail honnête, ça n'est pas normal. Nombreux sont les courageux et courageuses qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts avec un labeur très mal payé en fonction du niveau de vie du pays accélérateur, embourbé à fantasmer loin de la réalité. Quelle horreur! L'on pourrait subodorer qu'une réelle volonté de dégrader, d'esclavagiser est en vigueur. Pas étonnant qu'il y ait de moins en moins de confiance en la croissance? Franchement, je comprends des gens qui ne veulent pas travailler se faire entuber. Quant à l'autre partie de la population qui eux travaillent, ils sont animés et portés par le pouvoir phénoménal de la carotte, même si en 2024, celle-ci a perdu de sa superbe. Vous savez, la carotte, là, devenir propriétaire? Avoir un gros salaire, croire en une retraite arbitraire imaginaire, voire détruire sa propriété foncière par une armée étrangère. Dans cette vidéo à thème, je me mets à la place d'un bon nombre d'individus qui réfutent en bloc. Le jeu est truqué, ça ne m'intéresse pas, cette société est complètement barrée. Oui, tout ça c'est un jeu, mais auquel il faut jouer. Va bien te faire empaffer avec ton curriculum vitae, non adapté à notre époque forte d'une singularité démographique, où les relations priment sur les compétences et la participation. Regarde bien, dans le boule de ton entreprise, tous tes protégés qui traînent des pieds pendant que toi tu pinailles à recruter. Du coup, plus personne ne veut travailler. Tu sais quoi? Étouffe-toi bien avec ton monde du travail et tes copains comme cochons qui chantent à l'unisson. Des consignes contradictoires ouvrant un chemin afin qu'ils puissent se défouler à partir de rien. Donnez-vous à fond, mais pas trop. Intéresse-toi, mais pas trop. N'hésite pas à poser des questions. Surtout ne fais pas ça. Malheureusement, ce mode opératoire fera sortir du bois noir de nombreux ennemis munis de hachoirs. Te voilà devenu le miroir de la médiocrité humaine, qu'à cela ne tienne, tu vas payer la rengaine. Les instincts primaires fonctionnent à plein régime, ça a besoin de se défouler en propageant des candidatons auxquels tu ne peux pas donner ta version. Quand une dizaine de boulettes s'enchaînent en justifiant que l'erreur est humaine, des problèmes te ramènent à la gangrène qui te promène de spécimen en spécimen, familiarisé à éluder la question, créer la confusion. Pour les jeunes, cette denrée rare. Démarré dans la vie, le cœur rempli plein d'espoir collégial, enorgueilli par la morale coloniale de tuteurs baladés par la théorie du premier de cordée, inculquée année après année afin que le monde puisse continuer à tourner dans le sens des privilégiés, n'est pas chose aisée à cause des saboteurs démolisseurs. La vérité, c'est que dans leur purée de société, il y a des entreprises qui te prennent vraiment pour un con, mais aussi des qualifiés en relation qui avancent à coups de piston, soi-disant « fallos », non investis dans leurs tâches et occupant des postes ici et là. Nous les appellerons les suceurs. Entre poteaux, tout est plus facile en affaires, les fautes commises sont résolues à s'évanouir sous terre. Aisément reconnaissables, ils s'adonnent au théâtre perpétuel et à l'émotion dans le rationnel. Ils font le pied de grue, peu importe que l'entreprise se tue. Ça consulte en permanence les réseaux sociaux, tout en planifiant le troisième départ en vacances de l'année qu'ils prendront en étant en maladie, juste pour gratter ce qu'ils estiment être de l'acquis. Ben oui, ça se met en maladie pour un oui et pour un non. Sur les fonds publics, comme si c'était un sport national, un mauvais diagnostic indexé sur une dette qui pique. Pas étonnant que l'Occident se mord la queue tel un serpent.
Embourgeoisé à l'extrême sur la base d'un système ayant pris son essor dans les années 60 aux portes d'une population de 3 milliards, ils n'ont toujours pas compris qu'avec 8 milliards, ça ne peut plus continuer ainsi. Par le plus grand des hasards, des enquêtes scientifiques ont démontré que même les formes légères du Covid-19 entraînent des troubles cognitifs grossièrement nommés brouillard cérébral. Je laisse rajouter au merdier les 3 ou 4 doses administrées pour faire de la monnaie. Faut bien avouer que le swap et Toc Toc n'ont rien arrangé. Oula, j'arrive plus à réfléchir, alors je vais répéter bêtement ce que j'ai entendu ailleurs. C'est là que des personnes d'une extrême rigidité vont te parler de flexibilité et d'adaptabilité. La plupart sont déglingués dans leur psyché et occupent les mêmes postes qu'auparavant. Pas étonnant que rien n'ait fait correctement. Et vous savez quoi? Démerdez-vous avec votre monde du travail et allez droit dans le mur parce que vous faites ça très bien déjà. C'était Vaidera. Je vous remercie pour le soutien et santé sur vous en ces temps troublés. Au revoir.